Mardi 6 février 2018, bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la carte pour nous capoter pour deuxième sortie téléjournal. Mes principaux points qui prennent les faits essentiels le journal pour matin. Le Centre coordination recherche et sauvetage inauguré hier dans l'Office national aviation civile OFNAC sur l'aéroport. Ça permet de localiser un avion qui est en détresse avec un appareil qui est accidenté. Dans l'occasion 32e sortie lundi de la presse dans le ministère de la communication, hier, il y a reçu le 16 février le secrétaire d'État sécurité publique, là, Léon Ronsard Saint-Cyr, qui parlait sous disposition qui prend pour capable faciliter bon déroulement carnaval national. Là. À l'échelle internationale, un juge britannique doit bailler décision le jeudi mardi sous situation fondateur WikiLeaks Julian Assange pour connaître si oui ou non la paix capable de jouer une possibilité pour prendre la risque et pas arrêter. Julian Assange réfugié depuis plus de passé 5 années dans l'ambassade Équateur dans le pays Royaume-Uni. C'est ensemble pour savoir qu'un pilote qui a bien fait ceci la journée la matin arrêté manger n'a pas tourné dans un petit moment. Merci parce que toujours été branché télévision l'État. Bienvenue dans le développement information. Ronald Semelfort, un pile monde relé météo, mouri vendredi 2 février 2018 là, dans Port-au-Prince, pour un pile collab, dans collaborateur de fin, c'est un gros pète pour pays. On a pas vite suivre avec Ansimas et puis avec Pierre qui a présenté nous un portrait. Ronald Semelfort fête dans la commune Saint-Louis du Nord, dans le département Nord-Ouest. Après classe primaire dans Saint-Louis, il rentre à Port-au-Prince pour venir continuer classe dans le collège Roger Anglade avec cette étude secondaire. Une fois qu'il finit la classe philo, il est parti pour Ville Montréal, côté il allait dans l'université, pour aller étudier génie et physique. Dans l'année 1983 et 1984, il retourne dans le pays d'Haïti. Et depuis le ça, il consacre la ville à partager connaissances et puis servir le pays. Lorsqu'il est rentré au Centre national de météorologie, il était comme météorologue. Il était entré. Par la suite, lors du météorologue, donc, il fait prévision. Donc, plus monde connaît le professeur Ronald, c'est disons après la mort du capitaine Renan. Donc, il était investi à fond dans le secrétariat permanent de gestion risque et désastre. Donc, non, surtout particulièrement lorsque il y a une perturbation cyclonique qui vient pour passer. Donc, c'est le même que même le centre lanté actif censé bon côté lui pour fournir l'information. Mais c'est le même qui était toujours dans le point de pression. C'est le même qui toujours fait le point avec ensemble DPC, avec structure secrétariat permanent hein, pour permettre que l'information aille plus loin. Donc, dans ce sens, je pense que c'est un travail colossal qui était fait pour vulgariser, valoriser et mettre en Haïti, bien que nous connaissons, ce n'est pas un sens que tout le monde connaît, mais quand même, lorsque il y a catastrophe, il y a situation difficile, c'est toujours ingénieur Ronald que ou toujours ou est devant, c'est les mêmes qui étaient toujours devant la scène dans le sens ça, pour permettre que l'information météorologique en sens aller plus loin. Professeur dans la faculté sciences, dans la faculté agronomie et médecine vétérinaire, Captain Jean-Pierre Mounre Merelel, te ba relation moun ak moun an pil importance dans la ville, ça qui te rend populaire dans tout espace li fréquenté. Moun tout moun, sensible, toujours paré pour aider. Ces mots qui viennent plus souvent dans témoignage. Bon, on est qui très sérieux, on est qui respecte moun, on est qui très jovial, qui aime travailler, tout disponible pour la météo. À n'importe moment, qu'importe l'heure, mon problème, où est le Ronald, retrouver Ronald. Et la pote à Paul, bah non. Aucun reproche, nous travaillons contre Ronald. Tu as une bonne habitude avec tout employé, nous sommes capables de dire que moi-même, côté que je suis plus retrouvé avec Ronald, c'est sa sensibilité humaine. Donc c'est un monde qui est très sensible sur le plan humain. Donc, parce que je me rappelle bien, lorsque j'ai deux employés qui étaient censés mourir, c'est moi-même qui t'ai appris les nouvelles là, et je n'ai vraiment pas de kakembeli. C'est pour te dire, bon voilà, Marcelin, on n'est pas supposé apprendre mes nouvelles là comme ça, et puis ça t'est vraiment affecté. Donc ça veut dire que c'est un monde qui vraiment gagne un côté humain. Ronald Semelfort, c'est papa de petit garçon. C'est dans l'année 1953 qu'il fait. Après un malaise la Kali, Capitaine mourit sur route pour aller à l'hôpital, jour vendredi 2 février 2018, là, avec 64 l'année sous tête.
Il y a la fois encore toute équipe télévision nationale d'Haïti a voué condoléances sur bail famille à quelques amis et puis collègues ancien météorologue Ronald Semelfort. Président République la Jovenel Moïse a posé premier pierre pour construction d'un centre germoplasme avec propagation végétale dans le département nord pays. C'était samedi 3 février passé. Centre ça a gagné 4,5 millions de pieds bois chaque année. C'est un cinquième instructif comme ça qui mettait sous pied dans le pays. Objectif là, c'est renforcer politique environnement pour l'État capable de permettre au pays à répondre plus bien face à la catastrophe naturelle et puis permettre aux paysans de rentrer l'argent grâce à rendement fruits, pieds, bois, ça y est, au produit. Nous avons compte rendu avec Sabine Joïtienne et puis Jean-Noël Duvernay. Après Sud, Nîmes, Grand'Anse et Nord-Ouest, département Nord, c'est le cinquième côté qui peut recevoir sans germoplasme et propagation végétale. Ça a une capacité 4,5 millions de pieds, bois chaque année. Il y a nécessité, d'après président Jovenel Moïse, pour citoyens accompagner l'État dans la politique environnementale la pas appliquée dans le pays. Faut inspection faite sur tout système de drainage dans la ville au Cap là. Mais mon cap femme chame cap garder cap temps de blague. Faut pas oublier ravine ça même le cyclone là. M'd'a monter m'd'a faire inspection m'd'a pied dans la campagne. Une ravine qui t'a supposé mesurer 10 mètres et puis qui a une route sous côté, l'on a besoin de curel pour machine qui a passé, ravine n'a moins qu'on mette, la gel de 0,80. C'était 80 cm, ça veut dire 0,8 mètres. Est-ce que, je dis, nous avons dit, n'a pas tonne la pluie, quand venir pour tomber encore, c'est là ça pour nous nommer l'homme, oui, au cabinet de vos sinistres. Faut nous tous ensemble, nous mettre tête, nous ensemble, peuple, autorité. Moun ki kon li ak ekri nan vil la, ingénieur civil yo, architect yo, urbanist yo, suspann kritike, vin met men a la pat politisyen yo, vini fmandon renkont nan nord avec directeur départemental de travaux publics, directeur départemental environnement, mande renkont ak délégué ak magistrat pou nou comment pou nou faire vil historik sa nou genyen. Ou kab ayisyen chéri, vil nou nou renman pil la. Comment vous nous retirez dans la situation que lié? Ce n'est pas moi pour compter comme président qui a retiré sans ça avec nous tous. Nous entendons, nous pas venir, nous pas venir pour nous craser, briser, caravane nous venir pour le construire, caravane nous venir pour le quitter l'autre département. Président Jovenel Moïse a tout profité d'un dédoléance population et puis a annoncé une série de travail administration l'a fait dans le département Nord. Parmi eux, accompagnement pour l'agriculteur. Et puis projet pour bailler paysans crédit pour le planter et puis prendre soin puis bois yo. Bon l'autre programme que n'a travaillé avec partenaire international yo tout. Qui programme lié? Si pays a gagné 14 pépinières. Chaque après gagné capacité 4 500 000 bois. Si mon l'école yo a obligation planter pied bois et paysan crété dans bas investissement yo dans mon yo. Nous pas monter un programme avec 100 000 paysans pour nous payer paysans yo pour planter. Ça veut dire nous payons, nous montons un programme pendant 4 ans, nous payons pour suivre Pied-Bois, pour Pied-Bois grandir, mais paysans, nous ne pouvons pas nous montons un programme avec un fruitier pour nous. Ça veut dire pour planter Pied-Bois, qui a vu des fruits, donc la bapin, la véritable, mango, kenep, bagayo, qui a vendu. Là, quand il y a Pied-Bois, il y a 4 ans, nous suspendons Pied-Bois. Quand il y a Pied-Bois, tout pour Pied-Bois, Pied-Bois, quand il y a Pied-Bois, ce programme, ça nous vient. Contrairement à ça qui te prévoit pour mettre sous pied 10 centres germoplasmes à propagation végétale dans tout le pays, chef l'État a décidé de mettre 14 structures comme ça dans l'idée pour reboisement Haïti à tourner une réalité. Merci à la collaboratrice nous, Sabine Jean-Étienne Nap, toujours été ensemble avec le visiteur président, puisque le président de la Jovenel Moïse Terrani, toujours pendant la journée samedi 3 février, pour remettre les fois liberté pour être capable de remettre leur équipement pour démarrer le caravane changement dans le département nord-est pays. L'équipement a préalé servi 13 communes dans le département nord-est pour capable faire travail curage, drainage et construction route. Toujours ensemble avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Noël Duvernay qui a présenté nous. Moun sorti tout partout dans le département d'Odessa là pour venir tendre président Jovenel Moïse et puis pour garder flotte équipement yo qui rive dans le département. Chef l'État a mis accent sur interconnexion commune yo, électricité, assainissement, renforcement douane pour ne citer ça seulement.
Tout le monde est lié sur le parti politique. Par contre, même des lits sur le PSP. Même des lits sur le PSP. Et député, et l'aspect du bâti est lié sur le PSP. Mais je dis à tout le monde, pas de diable, il y a un changement. Changement. Et là, on va retirer les années. On va retirer Haïti dans sa Haïti. Haïti, je dis. Pour retirer dans sa lia, faut tout le monde ensemble, qui nous tenons parti, famille là, je suis petit déjà, ou PHPK, ou Fijon, quel que soit parti politique que je prends aujourd'hui à Mémi. Faut retirer dans sa lia, faut retirer le peuple là, faut retirer dans sa lia, c'est samedi, et c'est lui m'a fait pendant pouvoir nous voir, qui était 4 heures, c'est samedi, nous venons mettre tout le monde ensemble. Nous mettons tout le monde ensemble pour retirer le pays de la situation sous-développement, la situation de la misère que le peuple s'en connaît. Tout le monde va communiquer au Nagro. Nous jamais sous la peuple. Vous avez dit, vous avez la peuple. Ça veut dire 13 communes, département nord-est là, avant de pouvoir avoir un guide. C'est pour toutes 13 communes à communiquer. Même Jean-Claude département qui recevoir matériel déjà, caravane changement pour aller démarrer sans perdre de temps dans l'Odesse pays. Jean-président républicain Jovenel Moïse a annoncé ça. De temps pour arriver 7 février 2018, tous 10 départements pays a fini de recevoir l'eau équipement. Magistrat Maxo Pinchina qui est arrivé caravane dans la commune Grand Gouave pour aider résoudre divers problèmes commune en fait face. Il prend comme exemple problème route à rivière qui toujours la guerre en pile famille dans difficulté dans permis de suivre XK. Nous même déjà dans caravane changement par rapport avec discours président pays qui clairement dit caravane changement à partir 7 février là dans tout pays et là dans département l'Ouest. Et en particulier, normalement, comme dans le département de l'Ouest, nous-mêmes dans l'Ouest, nous déjà préparé nous. Un premier travail, nous essayons d'essayer de rencontrer tout acteur pour nous garder ensemble avec eux qui ça nous fait. Et en plus, nous essayons de préparer un petit document comme cahier de charge qui permet au moins les caravanes de venir pour que les caravanes bien atterrir. En plus, nous essayons de regrouper tout acteur autour, par exemple, magistrat, Kazek, ASEC, député, délégué ville, pour que ensemble nous fassions travail. Et conjoint qui permet que les caravanes pour nous bien coordonner question pour nous bien canaliser les caravanes parce que pas oublier il clairement défini caravanes son stratégie président bien dit son stratégie ça veut dire automatiquement plus bien préparé mais c'est automatiquement plus bien recevoir caravanes et on a plus de progrès qu'a fait dans la commune là on rentre dans ville on va avoir grand pile travail sur question infrastructure surtout avec ministère de la gain des travail de réhabilitation pour faire au niveau ville là non seulement nous gain rue du port nous gain rue Saint-François nous gain rue Antonin mais ça c'est des travaux qui méritent pour réhabiliter et une série de rues côté que yo déjà gain caniveau déjà mais les ça caravane absolument mettre bail mais dans section tout gain des travaux qui vous faites dans niveau rivière avec environnement déjà discuté déjà sur question rivière grand pile rivière en dans commune en moyenne 5 qui méritait normalement pour vous faire curage. Il y a tout ce refaufilage, il y a des gabionnages, mais tout ça, c'est des bagues qui discutent. Mais au niveau section communale, il y a des persèques pour faire. Parce que nous connaissons que pour relier section, nous jugeons que l'intéressant, avec caravane, on a faire section, une section, non section, allons l'autre section. N'a pas toujours été dans le dossier qui concernait préparation caravane changement pour une fois qu'on est magistrat communal Cognon Jean Balaguer Berto dit déjà metté sous pied un comité pour capable accueillir caravane changement dans commune lien. Il parlait tout de un cahier de liaison qui prendra joindre autorité yo pour capable connait qui côté doit intervenir après vite suivre magistrat Jean Balaguer Berto. Nous prêts, nous fin prêts, nous attendons la caravane dans des pieds fermes et nous déjà soumettre le cahier de charge là avec le gouvernement donc, pour aller dans quelle mesure pour implémenter donc ces plans et programmes de développement qui nous préparé donc ces programmes de campagne président là-dedans de même, donc nous tous élus, nous chita et de AZEC arriver dans le niveau de députation, nous chita ensemble et nous préparer le cahier de charge là justement pour les caravanes avec Cognon pour ne pas l'improviser. Mais puis on fait exactement ça nous-mêmes nous proposer pour faire dans l'espace là. C'est pour nous quelques travail pour caravane en fait à faire dans la commune Gamba. Premier travail on essaie des enclavements et route c'est route Cognon donc c'est route Cognon en piteux état, son route qui est vraiment extrêmement difficile, environ 54 km de route jusqu'à la frontière. Donc en gros c'est
et puis go travail là c'est route connion après ça nous gagner et des routes et pour nous capable lier section communale yo donc et pour nous lier avec l'autre commune voisine notre commune Balel et Savanette pour nous lier avec commune ça yo donc c'est des travail ça de grande envergure de grand pile l'autre travail encore donc nous prévoir dans cahier de charge là mais en quelque sorte donc ce travail ça qui puis prend nous à cœur donc c'est route connion principalement donc sorti Tomazo pour aller vers la frontière et sorti Mirbalè pour aller encore et rencontrer dans entre aller du côté de Courette et sorti vraiment de Savanette pour vous rencontrer nous encore dans même espace ça donc c'est ça qui prend nous à cœur c'est trois principes et pour axa on a besoin pour nous capable travailler sur juste capable vraiment libérer commune comme qui enclavé depuis et puis depuis des années donc réaliser votre connion donc c'est un grand dans l'autre gros débouché qu'a fait sur République dominicaine donc vous pas besoin contourner aller dans plateau central dans même département le ça à travers Gantier Malpasse des gain problème on capable passer par côté du côté de connion certainement on capable arriver République dominicaine. Dossier santé pour Kounia, une équipe télévision nationale d'Haïti fait une visite samedi 3 février passé à un service dialyse l'hôpital Fatma dans ville Kay pour être capable de garder comment service si là lui-même li a fonctionné. Service ça cap fonctionner 24/24 recevoir malades qui sortit tout côté dans grand sud des pays d'après infirmière Rachel Ruizza Moïse qui c'est une infirmière cap bail service non dialyse. On a invité au suivre un compte rendu avec Marie Jolie et puis André Chéri. Service en dialyse à l'hôpital Fatma Okaï n'a pas suspendu recevoir malades qui sortit tout côté dans le grand sud du pays. Pendant le week-end, une équipe en TNH a visité ce centre-là pour voir comment le service a marché. Eric Fernand, qui sortit Jérémy et qui vient dialyser Okaï. Fait qu'on est, c'est grâce à ce centre-là qui permet de vivre jeudi. Les marchés faits, une nouvelle, c'est ici Okaï qui a une façon de faciliter. Mais c'est avec nous-mêmes tout que je me dis nous merci et je continue de dire nous merci parce que tout ça nous fait et ça n'a pas fait. Une infirmière qui travaille dans le service sans dialyse au Fatma Okaï explique que depuis le centre ça ouvrir, l'hôpital là vient plus fréquenté. Pour le service, tout le bagage a marché très bien là, quand il s'agit d'administration, de matériel. Toute machine est en forme, le malade est venu, nous recevons et puis nous avons des médecins qui ont le pour mettre les cathéters pour les dialyses en fait. Donc nous jeunes tout bagaille ça. Donc pour le moment ça marche très bien, malade est une solution, il y a un peu tout qui est témoigné de ça. Si ce n'est pas dialyse qui était au caille, donc c'est pas au prince que tu as monté, payer machine, louer caille, tout ça. Donc pour le moment, tout bagarre marche très bien. Santé dialyse au caille là, recevoir 2 à 4 mounes chaque jour, excepté dimanche, si toutefois, pas de urgence. Directeur général de l'Office national aviation civile, OFNAC, Olivier Jean, mettait campagne en centre coordination recherche et sauvetage dans le local institution qui établit l'école sur route aéroport. Cérémonie d'inauguration centre réalisée lundi 5 février. On a pas vite suivre un compte rendu avec Junior Bika Seyus et puis Rémi Godji. Centre coordination recherche et sauvetage là, trouvez-le en dedans, Office national aviation civile. Sans ça, pour aider l'État haïtien localiser si elle apparaît un coup avion et bateau qui en détresse à partir de satellite. Selon le directeur général institution Olivier Jean, centre coordination recherche et sauvetage là pour permettre de coordonner toute opération recherche et sauvetage dans l'espace aérien et maritime région. Ça permet aussi jamais d'avoir un avion qui a une urgence ou un problème et que l'État a un autre qui a un accident, qui permet de nous capables d'identifier exactement. Et qui bon avion et fait que avion engin tombé, que ce soit dans la mer, que ce soit sur la terre. Donc bon, tout élément ça critique là, pour commencer à faire aux recherches. Il faut capable de connaître exactement côté engin à travers satellite et puis des équipements qui à l'intérieur de l'avion, la permet de déterminer exactement côté avion y est, et de la première sorte de coordination qui s'est fait, il faut le contacter. Et monde qui est nécessaire, que ce soit d'autres côtes haïtiennes, que ce soit protection civile, pour être capable de déployer et pour être capable de jouer un signal, pour être capable de faire le nécessaire pour sauver le plus de vies possible. Installation, centre coordination, recherche et sauvetage, ça, dans OFNAC,
rentrer dans le cadre des démarches l'État haïtien a mené pour répondre à toutes exigences organisation aviation civile internationale et organisation maritime internationale selon Olivier Jean. L'autre information dans le journal là, dans l'occasion 32e conférence le lundi de la presse dans le ministère de la Communication, il recevait hier lundi 5 février secrétaire d'État sécurité publique là, Léon Ronsard-Saint-Cyr, qui parlait sous disposition qui prend pour capable faciliter bon déroulement carnaval national 2018. Là, on a plutôt suivi un compte rendu à Rachel Saint-Fort et puis Henri Aubergier. C'est plusieurs instances dans l'État qui mobilisaient à travers le comité national urgence accès quoi. Pour porter réponse à question urgence dans période carnaval là comité ça qui gagne la donne ministère de santé publique à population bureau première dame république là ministère intérieur collectivité territoriale ministère justice et sécurité publique secrétaire d'état sécurité publique la police mairie Port-au-Prince croix rouge à l'autre instance dans l'état viser réduire risque accident transmission maladie répondre à urgence et puis sensibiliser population en sous comportement yo doué gagné pendant période carnaval là. Nous gagnons 13 postes de soins. Depuis dans stade Silvio Cator là gagnon rivé juste dans faculté de médecine et postes ça yo divisé en 3 catégories. Nous gagnons des postes simples qui simplement des ambulances qui évacuent les gens. Nous gagnons des postes de premier soins et d'urgence, ce sont des postes médicalisés. Côté là, que ce soit ambulance ou bien dans et l'autre côté, côté moun yo capable recevoir soins pour des cas mineurs et puis ensuite yo renvoyé pour yo capable soit tourner la caillou ou bien continuer dans carnaval là si yo senti yo bien. Maintenant, dernière catégorie de postes que nous gagnons, c'est ça aurait les postes médicaux avancés, ce sont les PMA. Et puis grand stand d'urgence ça, puis grand PMA, la est coiffé par la première dame et la sous stand première dame là à côté stand la présidence et là il y a capable prend en charge des cas majeurs. A gain des équipes d'intervention spécialisées qui certainement tout qui a ka intervenu dans fait secours la jambe saute dire. Nombre de brigadiers qui ont déployé dans 3 jours grâce à eux, c'est là pour nombre de 500. Et brigadiers volontaires, ça y a une responsabilité pour yo gérer foule là, accompagner carnavalier yo. Et certainement assister moun qui en danger. Dans l'occasion de la 32e conférence lundi la presse jeudi à secrétaire d'État sécurité publique là Léon Ronsard-Saint-Cyr, directeur départemental l'Ouest la Berson Soljour et directeur service circulation a annoncé un ensemble mesure de sécurité pour permettre tout le monde à miser au sans qu'il saute dans le carnaval là. Port d'armes strictement interdit le parcours carnaval là. Cela dit que avec ministère de la justice n'a bien parquet à Boston côté la permanence et la bon garde à vue dans ce temps ça. Et m'a rappelé que tout policier qui n'est pas en service, qui n'est pas en uniforme, pas gain droit pour des armes là parcours carnaval là. Tout policier qui n'a parcours carnaval là, il y a bien un signe distinctif. Puis il y a un policier qui pas travaille dans l'Ouest pour un uniforme pour le vision de masse. Comme nous disons, rigueur, inspection générale, déjà prend toute disposition et il y a prend sanction qui plus grave pour eux. Donc, policier qui avec sécurité VIP, c'est le temps important pour que continuent à accompagner, même lorsqu'ils sont en uniforme, il y a passé enregistré dans le bureau qui a placé pour ça dans la direction départementale là, côté il y a capable de faire un signe distinctif. Nous avons un devoir pour nous inspecter tête camion yo kap menen cha yo. Faut caoutchouc normal et faut chauffeur sa gen licence li. Si gen la pluie faut wiper capable marcher et lumière faut yo allumer. Et en plus m'a mandé responsable yo faut ces deux chauffeurs pou yo ta gen pour si yon pa ta ka conduit. Et puis pour l'autre chauffeur qui apprend rapidement.
Carnaval national là a démarré dimanche 11 pour bout mardi 13 février 2018 là. Carnaval là fini à 2h du matin pour deux premiers jours et puis 3h du matin, troisième jour d'après secrétaire d'État sécurité publique là, Léon Onsor Saint-Cyr. Ministre santé publique à la population, Dr Margrethe Awa Clément, mande des citoyens yo pour protéger tête yo, contrôler timoun yo, pas bloquer route secou yo pendant période carnaval là pour faciliter bon déroulement activité yo. Nous revenons un moment pour nous aller dans l'actualité internationale là pour nous faire connaître un juge britannique doué by décision li jeudi mardi sous situation fondateur WikiLeaks là Julian Assange qui est réfugié depuis plus passé 5 années dans ambassade Équateur dans pays Royaume-Uni n'a pas vite suivre un compte rendu. Un revers pour Julian Assange. La justice britannique a autorisé ce jeudi l'extradition du cofondateur de WikiLeaks vers la Suède pour une affaire d'agression sexuelle et de viol. Ses avocats ont annoncé aussitôt leur décision de faire appel. L'Australien de 39 ans qui clame son innocence fustige le dispositif du mandat d'arrêt européen. Why is it? Pourquoi suis-je soumis au port d'un bracelet électronique alors que je n'ai été inculpé dans aucun pays, a-t-il demandé. Je ne suis pas le seul concerné par cette affaire. Il ne s'agit pas seulement de la pression que les États-Unis exercent sur le Royaume-Uni, la Suède et les médias. Cette affaire offre l'espoir d'une réforme du système de mandat d'arrêt européen. Autre réaction, celle des États-Unis qui ont affirmé qu'ils n'étaient pas impliqués dans cette affaire d'extradition. Julian Assange est à l'origine de la publication de câbles diplomatiques américains qui a suscité la colère de Washington. L'arrivée d'un bout de matin, un principal point qui devait être essentiel. Un centre de coordination recherche et sauvetage inauguré à Yéna, Office national aviation civile OFNAC sur route aéroport. Centre ça permet de localiser avion qui est en détresse avec appareil qui est accidenté. Dans l'occasion, 32e sortie lundi de la presse dans le ministère de la communication, nous recevons hier lundi 5 février 2018 le secrétaire d'État de la sécurité publique, là, Léon Onsor Saint-Cyr, qui parlait sous disposition qui prend pour faciliter bon déroulement carnaval 2018. Là. Un juge britannique doué by décision le jeudi mardi à sous situation fondateur WikiLeaks Julian Assange pour connaître si oui ou non la capable de jouer une possibilité pour prendre la risque de pas arrêter lui Julian Assange réfugié depuis plus de passé 5 années dans l'ambassade Équateur dans le pays Royaume-Uni. Nous te contents avec vous matin pour nous capable porter pour deuxième sortie téléjournal arrêté branché chez nous là information après continuer sur antenne télévision l'État.